Dans ces fictions écrites avec la voix, il y a le jeu de l'intonation. Presque un jeu théâtral. Il y a les silences aussi. C'est pas facile d'installer un silence dans une page. Là, je peux jouer avec le temps. Ou à moins que ce soit le temps qui joue avec moi. D'une certaine façon, je me dis qu'écrire comme ça, c'est peut-être creuser du côté de Nathalie Sarraute, du côté d'un en deçà du langage. Essayer tout au moins.